Au moment où la Commission électorale nationale indépendante publie les résultats partiels de la présidentielle de 2023, l'opposition ne semble déjà pas d'accord avec ce qui ressort des urnes, au moins, du moins ce qui est dit. Parmi ces figures de l'opposition qui ne sont pas d'accord, on a le candidat président de la République allié à Moïse Katumbi, qui était candidat numéro 3. Il a battu campagne à ses côtés. Il s'agit de Matata Ponyo. Il était d'ailleurs le tout premier candidat à se rallier à Moïse Katumbi juste le premier jour du début de la campagne électorale. Dans cet entretien exclusif, je serai accompagné de mon confrère Jean-David Kilolo pour cet exercice. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Matata Ponyo. D'entrée des jeux, on va rentrer vers la campagne électorale. Personnellement, vous avez battu campagne pour Moïse Katumbi. Comment avez-vous trouvé cette opération? Non, je pense que la campagne électorale s'est très bien passée. Et comme vous l'avez bien indiqué dès le départ de cette émission, je me suis rallié à Moïse Katumbi Tshapwe pour des raisons tout à fait stratégiques, mais patriotiques. Et pendant un long moment, j'ai été à côté de Moïse pour battre campagne, particulièrement à l'est du pays. Et l'impression qui s'est dégagée de cette campagne, je l'ai dit, c'est qu'en réalité, il y avait deux poids lourds qui s'est challengé. D'une part, le candidat du pouvoir et le président Tshisekedi, candidat à sa propre succession, mais et de l'autre, les candidats de l'opposition, Moïse Katumbi Tshapwe. Et c'est dont on a remarqué que d'une part, le candidat du pouvoir recevait beaucoup de critiques à cause principalement de son bilan dont on sait qu'il est largement négatif. Mais aussi on a remarqué qu'il y avait très peu de gens à ce meeting. A contrario, nous avons remarqué qu'il y avait autant de monde qui était au rendez-vous du candidat de l'opposition, Moïse Katumbi Tshapwe, et qui l'applaudissait et qui communiait avec lui. C'est dire d'une part qu'en fait, il y a eu deux candidats et qui se sont fait remarquer et qui ont d'ailleurs, pour l'essentiel, fait le tour du pays. Ce sont ces deux candidats-là. Et de manière tout à fait figurée, on peut dire que l'un a reçu un carton rouge, c'est le candidat du pouvoir, et l'autre a reçu un carton vert, c'est le candidat de l'opposition. Voilà l'image que cette campagne électorale a donnée au travers le pays. Alors, que ce soit les foules ou les cartons rouges ou verts, on reproche aux deux camps, les deux poids lourds que vous avez cités, de ne pas avoir eu assez de profondeur dans les discours face à la population. On s'est arrêté sur des attaques personnelles, que ce soit dans le camp Katumbi ou le camp Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous personnellement, en tant que grand leader, ce que vous avez dit à la population, les véritables propositions que vous avez amenées à la population pendant cette campagne électorale? Je pense que s'il y a eu des attaques personnelles, c'est plutôt du côté des candidats au pouvoir. Vous avez suivi des attaques parfois très très personnalisées. Mais je crois que le candidat Moïse Katumbi Tshapwe a eu plutôt l'opportunité de parler de son projet de société, de parler de son programme d'action lorsque il disait par exemple qu'il va amener du travail pour lutter contre le chômage. Ça, c'est une action tout à fait pertinente. Lorsqu'il a dit qu'il va amener un programme d'infrastructure pour construire des routes, et je crois que ça, c'est un projet tout à fait socio-économique acceptable. Lorsqu'il dit qu'il va
construire des hôpitaux. Et je crois que là aussi, c'est quelque chose d'acceptable. Des universités, des centres de santé. Et voilà, je pense que les projets socio-économiques de Moïse Katumbi-Chapwe étaient plutôt cohérents. Il était relativement clair. Mais ceci ne lui a pas empêché, notamment, de répondre à certaines attaques qui étaient, à mon avis, en dessous de la ceinture. Voilà, puisque nous sommes en train de parler de l'évaluation, de ce processus, mais on a appris que la CENI a déboursé plus de 1 milliard de dollars. C'est quand même une somme assez importante pour ces processus électoraux. Et depuis que ça a commencé, nous sommes au quatrième cycle électoral, c'est le cycle électoral le plus cher. Alors comment vous avez certainement trouvé cette somme de 1 milliard 100 000 dollars? Je dois sincèrement vous dire que moi-même, lorsque j'ai entendu parler de ce chiffre, j'étais choqué. J'étais choqué parce que les élections de 2011, lorsqu'elles ont eu lieu, j'étais ministre des Finances et donc je peux vous dire avec assurance que ces élections ont coûté à peu près aux environs de 466 millions de dollars américains. En 2011. Voilà, en 2011. Et en 2018, je n'étais plus au pouvoir et ces élections ont coûté aux environs de 600 millions de dollars américains. Mais vous, 2018. Petite parenthèse juste, oui. Vous n'étiez plus Premier ministre quand c'est arrivé, mais vous avez été Premier ministre pendant les 4 années. Mmh. Ça se prépare pendant les 4 années ou bien c'est l'année de l'élection qu'on mobilise tout Non, il faut dire que les élections se préparent pendant toute la durée. C'est pas en une année que vous allez... Donc, les élections de 2018, vous avez quand même aussi... J'y ai participé, mais il faut comprendre que j'ai quitté en 2016. Et donc, il y a eu 2 ans d'élections, enfin, des préparations d'élections où je n'étais pas là. Mais elles ont coûté globalement 600 millions de dollars. Il n'y a pas de raison que ces élections coûtent 1 milliard 100 millions, presque le double de ce qu'elles ont coûté il y a 7 ans. Et je crois que c'est inacceptable dans la mesure où ces élections, non seulement elles ont été les plus coûteuses du pays, que le pays n'a jamais enregistré, mais elles sont aussi les plus catastrophiques. Et donc, ce sont des élections qui auront réalisé les hit parades de deux extrêmes. Elles ont été les plus coûteuses, mais elles ont été les plus catastrophiques. Et ça, c'est dramatique pour un pays. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une forte démographie qui a fait que ça puisse coûter un peu cher que les autres? Mais aussi les infrastructures. On a parlé par exemple du président de la CENI qui a cette fois acheté le bâtiment. Le bâtiment. Où se trouve le siège de la CENI. Il y a un centre Bossolo. Centre Bossolo, voilà où on publie les résultats en temps réel. Bon, ben, écoutez, est-ce que toutes... Regardez d'abord ce que vous avez devant vous. 1 milliard 100 millions de dollars américains vous permettent, si ce fonds était investi dans l'acquisition de bus, ça vous permet d'avoir presque 7 000 bus neufs. Ça vous permet d'avoir 12 avions Airbus 320. Aujourd'hui, je vous dis que Congo Airways n'a aucun avion. Et vous savez qu'une compagnie nationale, c'est un instrument de souveraineté et de fierté nationale. Et Congo Airways a loué 2 avions. Et qui ne porte pas les flambeaux de la République démocratique du Congo. Ça doit me faire mal au cœur personnellement. Bon, écoutez, ça doit me faire mal au cœur, comme ça fait mal au cœur à tous les Congolais d'avoir une compagnie nationale qui a des avions, mais qui ne porte pas les flambeaux du pays. Et ça peut faire 1100 km de route. C'est-à-dire, si on avait investi 1 milliard 100 millions dollars, peut-être que la ville de Lubumbashi serait reliée à la ville de Kinshasa aujourd'hui. Et ça peut construire 35 universités modernes et de grandes dimensions. Et donc, vous voyez, Christopher, l'état de gravité des dommages causés à la République lorsque le fonds utilisé pour les élections n'ont pas produit les résultats attendus. Et ça, c'est dramatique pour un pays de réaliser les élections considérées comme l'une des plus chères au monde. Mais d'autre part, pour produire des élections considérées comme le plus chaotique au monde. Voilà, en fait, vous parlez des élections les plus chaotiques, mais
Avant cela, vous avez désisté en faveur de Moïse Katumbi Tchiapo Matata Ponyo. Tout le monde le reconnaît que c'est un monsieur intelligent, mais vous aviez voulu être derrière Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui a motivé ces décisions? Petite parenthèse, on a suivi quand même Matata Ponyo dire autrefois qu'on ne voulait pas de vous comme candidat président de la République. C'est pour ça que l'on vous collait le procès Bukangalozo. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un tout petit peu de contradiction dans votre démarche? Non, je pense que nous devons analyser la question globalement et de manière globale. Parce que, vous savez, il n'y a qu'un seul siège du président de la République. Et si vous êtes six opposants pour occuper le même siège, il va sans dire... Et qu'il n'y a qu'un seul opposant qui va occuper ce poste. Ça, c'est de un. De deux, lorsque vous êtes plusieurs candidats opposants, c'est que vos voix vont être partagées. Or, tous les analystes politiques démontraient que si nous avons plusieurs candidats de l'opposition, il sera difficile de pouvoir battre les candidats du pouvoir qui disposent, comme vous le savez, de logistique et beaucoup d'avantages préétablis. Et moi, je pense que l'objectif que j'avais, c'était pas de devenir président de la République par prestige. C'était pas de devenir président de la République à la recherche des honneurs. C'était pas de devenir président de la République à la recherche des moyens financiers. L'objectif, c'était de devenir président capable de pouvoir contribuer à l'objectif principal de politique économique, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie de la population. Donc contribuer au rétablissement de l'honneur des Congolais, au rétablissement de la dignité de ce pays et de sa population, et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Or, il s'est avéré que si nous tous nous allions comme candidat à président, et nous diminuons totalement les chances de voir un candidat de l'opposition gagner à l'élection présidentielle. Voilà pourquoi je me suis fait violence pour pouvoir désister au profit de Moïse Katumbi Tchiapoué. Bon, faut-il aussi le dire que Moïse Katumbi Tchiapoué c'est un candidat qui dispose quand même de beaucoup de qualités, vous le savez. Et lorsqu'il était gouverneur pendant un peu plus de 8 ans, Katumbi Tchiapoué fut le meilleur gouverneur de province de ce pays. On a vu, il ne faut pas l'oublier, d'autres gouverneurs comme celui du Kasaï oriental, comme celui du Nord Kivu, comme celui de Maniema, aller apprendre ou s'informer tout au moins du modèle de gestion, de gouvernance dans la province du Katanga. Comme vous le savez aussi, Moïse Katumbi Tchiapoué est quand même l'un des meilleurs dirigeants sportifs dans ce pays. Laissez-moi vous dire, bon, laissez-moi vous le rappeler, et je pense que la ville de football a plus ou moins changé. Hier, c'était Kinshasa, mais aujourd'hui, on sait que c'est le Lubumbashi. Et parce que l'équipe la plus compétitive aujourd'hui, et qui a gagné près de 5 fois la Coupe d'Afrique, c'est TP Mazembe, dont on sait que le manager ou le propriétaire, c'est Moïse Katumbi Tchiapoué. Bon, enfin, vous le savez aussi, Moïse Katumbi Tchiapoué, c'est l'un des meilleurs entrepreneurs économiques dans ce pays. Et donc, pour tous ces critères, je me suis dit, écoutez, pour donner la chance à l'opposition de disposer d'un candidat président qui peut gagner ces élections, parce que c'est ça dont la population veut. La population veut le changement, M. Christopher. La population veut le renouveau des gouvernances, veut le renouveau des leaderships. Et donc, il était question pour moi de pouvoir me désister au profit d'un candidat. Le dernier critère que vous avez cité, c'est-à-dire un des meilleurs entrepreneurs, je me doute bien que vous avez déjà entendu parler de cette version aussi, on dit clairement qu'il a eu à acheter toutes les personnes qui ont rallié sa candidature, que ce soit Matata Ponyo ou les autres, vous avez été acheté par Moïse Katumbi. Et il vous a donné combien? Il vous a donné combien, Katumbi? Bien, ça fait rire, ça fait aussi... ça fait parfois
réfléchir, n'est-ce pas? Vous le savez, je l'ai dit d'introduction que je n'ai pas posé ma candidature pour question d'honneur. Je n'ai pas posé ma candidature pour question de prestige. Je n'ai pas posé ma candidature pour question d'argent. Et donc, en principe, lorsque je m'engage dans un processus, tout est planifié, tout est examiné. Certains ont été candidats président à la veille, mais nous, nous avons planifié d'être candidats, voyez-vous. Et ce n'était pas un problème d'argent. Vous le savez très bien que je suis propriétaire d'un cabinet d'études économiques qui a conseillé trois présidents de la République en Afrique. Et ces cabinets ont signé des contrats au plus haut niveau, au niveau de la présidence de la République. Et tout le monde le sait, ces cabinets Congo Challenge a fait des chiffres d'affaires annuels de plusieurs millions de dollars américains. Vous le savez très bien, d'ailleurs, j'ai un contentieux avec... enfin, mon cabinet d'études, Congo Challenge, a un contentieux avec le gouvernement congolais qui a commandé quatre études des standards internationaux. Et ces quatre études ont été livrées, près de 2 millions de dollars qui ont été payés par la Banque africaine de développement. Et le gouvernement congolais a refusé de me le payer, tout simplement parce que je suis candidat président. Donc, ce n'était pas un problème d'argent. Ça, c'était bien avant. Oui, mais ça, c'était bien avant. C'est pour vous dire qu'en fait, ce n'est pas un problème des moyens financiers parce que les candidats à Matata disposaient bien et disposaient de moyens pour battre sa campagne. Matata Ponyo, candidat président de la République, vous aurez fait le tour du Congo en jet privé, comme on l'a vu aux côtés de Moïse Katumbi. Mais parce qu'on avait tout planifié. Et tout était là. On avait tout planifié. Alors, puisque vous parlez de la campagne, la campagne électorale, M. Matata Ponyo, on a vu, c'était autour de la nationalité des Katumbi. Et c'est cette question qui a vraiment beaucoup plus été sur des lèvres de beaucoup de Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut la peine qu'on revienne sur cette question des nationalités et Katumbi était taxé comme un candidat de l'étranger? Écoutez, c'est bien dommage. J'estime que ce type de débat, c'est un débat de caniveaux, en réalité. C'est un débat de caniveaux. Parce que lorsque vous avez un citoyen qui a été gouverneur d'une province pendant près de 8 ans, ou un peu plus, et que lorsque il veut accéder au poste de la présidente, de la présidence de la République, vous dites qu'à ce moment-là, qu'il devient étranger. Mais quand il était gouverneur de province, n'était-il pas étranger? C'est la question que tout le monde peut se poser. Pourquoi l'avez-vous laissé devenir président, enfin gouverneur de province? Tout le monde le sait que Moïse Katumbi est des papas, en tout cas, occidentale, mais des mamans congolaises. Tout le monde le sait. Que dit la constitution congolaise? La constitution congolaise dit on est congolais si on est né d'un parent congolais. Or, Moïse Katumbi, sa mère est bien congolaise. Et tout le monde le sait. Pourquoi est-ce que on doit aller déterrer des dossiers pour justifier l'exclusion de certaines personnes? Ce qu'il faut noter, c'est que c'est le gouvernement actuel qui a remis le passeport congolais à M. Moïse Katumbi Tshabe. Mais mettons tout dans le contexte quand même. Il y a l'illustration de Noël Tchani, je crois que la réalisation n'a pas mis au hasard. Le fait est qu'on dit au sommet de l'État, donc on ne refuse pas le reste à Moïse Katumbi Tshabe. Il peut être député, il peut être gouverneur aussi, je crois. Gouverneur. Il peut avoir le passeport congolais, vu que sa mère est congolaise, mais il ne peut pas décider au sommet de l'État parce qu'il serait partagé. On va citer le pays, notamment la Zambie. On dit qu'il est congolais et zambien en même temps. S'il y a conflit d'intérêts, il fait quoi? Ce serait plus facile pour lui de réagir s'il était 100% congolais. Peut-être que j'ai mal dit ça. On va laisser Noël Tchani lui-même, comme ça vous allez l'écouter de sa bouche et après on va avoir votre réaction. L'offre politique que j'ai fait pour répondre à cette préoccupation-là, c'est la proposition de loi Tchani de père, de mère. Recevons M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est clair bien que sûr,
Congolais. De père et de mère. Non, mais il faut le dire, il faut continuer. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Congolais, de père et de mère, et puis père de famille, voilà, donc acteur politique. Ça, c'est une vidéo de votre équipe, hein, qu'on a eue notamment dans les réseaux sociaux. Mmh. Oui. Vous réagissez comment à cela ? Bon, écoutez, comme je l'ai dit, à mon avis, la constitution congolaise reconnaît le droit d'un Congolais, issu d'un des parents congolais, d'être candidat à la présidence de la République. Pour preuve, si ce n'était pas conforme à la constitution, la candidature de Moïse Katumbi Tshapwe serait éliminée à la CENI, ou tout au moins à la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'il a toutes les qualités constitutionnelles de pouvoir briguer à la magistrature suprême. Je dois aussi vous dire en toute sincérité que nous ne devons pas, nous les dirigeants politiques, nous les acteurs politiques, tromper les Congolais. Ou nous ne devons pas abuser de l'attention des Congolais. Lorsqu'on est au pouvoir, les Congolais ont besoin des dirigeants qui améliorent leurs conditions de vie. Voilà l'objectif premier des dirigeants dans un pays. Lorsque vous ne savez pas répondre à ces questions, et à ce moment-là, vous allez déterrer d'autres questions dont les Congolais n'ont pas vraiment besoin. Prenez les cas de certains pays qui sont considérés comme des grandes puissances au monde. Les États-Unis. Mais les États-Unis d'Amérique ont été dirigés par un président de la République dont le papa était d'origine kényane. Barack Obama. Barack Obama, pour ne pas les citer. Et le président Barack Obama n'a pas eu la honte, lorsque il était encore président en fonction, de dire dans une allocution où il était entouré même des Kenyans, et c'était à Nairobi, qu'il était président américain, mais d'origine kenyane. Ah, il y a d'ailleurs cet extrait-là. Oui. On va suivre cet extrait-là, justement. Oui. I am proud to be the first American president to come to Kenya. And of course, I'm the first Kenyan American to be president of the United States. Donc, ben voilà, Christopher, félicitations pour cette imagination fructueuse, parce qu'en fait, voilà la plus grande nation démocratique au monde. Les États-Unis ne sont pas la RDC. Bah justement. Les États-Unis ont des réalités différentes de celles de la RDC. Ne vous a pas coûté un peu trop cher? Est-ce qu'il y a des Congolais qui se sont retenus de voter pour Moïse Katumbi parce que son adversaire a dit que c'était un candidat de l'étranger, que c'était un étranger? Laissez-moi vous dire, si on regarde les images d'accueil du candidat Moïse Katumbi Tshapwe par les Congolais, c'est une façon de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce type de discours. Parce que si réellement les Congolais étaient accrochés à ce type de discours, mais ils ne réserveraient pas un accueil aussi chaleureux au candidat Moïse Katumbi Tshapwe. Parce que on a vu des masses, des marées humaines recevoir les candidats Moïse Katumbi Tshapwe. Ceci veut dire qu'ils se reconnaissent en lui, alors qu'on a vu de l'autre côté d'autres candidats ne pas être reçus par la population comme l'était le président, les candidats Moïse Katumbi Tshapwe. Est-ce que vous avez monté les images? Après, tout dépend de l'angle de la caméra. Si vous avez monté les images, c'est filmé dans l'image réelle. C'est normal qu'il y ait la foule. Ouais. Et si le jour de Félix Tshisekedi vous filmez de dos, bon, c'est normal qu'il y ait un vide. Bon, de tous les cas, je pense que chaque candidat a sa propre caméra. Si vous avez une telle caméra, vous allez dire, même si vous filmez de gauche, vous filmez de droite, vous filmez d'en bas, je crois que l'image sera la même. Et c'était des images qui étaient... moi, j'ai reçu le candidat Moïse Katumbi Tshapwe à Kindu. Il y avait près de 4 km de foule. 4 km. Près de 4 km de foule. Mais comment vous allez
orienter la caméra pour filmer un kilomètre? Ou comment vous allez orienter la caméra pour filmer 2 mètres? Non, laissons quand même la vérité triompher. Hein? On peut tout dire, et c'est ce que j'ai dit, nous devons éviter les débats des caniveaux. Si nous cherchons à bâtir un État démocratique, nous devons aussi accepter la réalité telle qu'elle se présente. Vous ne pouvez pas parler d'un candidat de l'étranger lorsqu'il est accueilli massivement par la population congolaise qui est décidément... Christopher, vous voyez que la population communie avec les candidats présidents. Non seulement la population le reçoit, mais communie avec le candidat. Et je crois, au-delà même de cet exemple du président Obama, qui est de père d'origine kényane, mais de mère américaine, de souche, mais vous avez un autre exemple qu'on peut vous donner. La Grande-Bretagne, c'est quand même une grande démocratie, une vieille démocratie. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne, elle est dirigée par un Premier ministre, Rishi Sunak, un Premier ministre compétent, brillant, dynamique, mais qui n'est pas d'origine britannique, de père ou de mère. On sait très bien que Rishi Sunak, son père, il est d'origine indienne, sa mère est d'origine indienne, et les deux d'ailleurs sont nés en Afrique. Et avant de pouvoir rejoindre la Grande-Bretagne, et d'où est né leur fils, mais cet homme qui n'est pas blanc d'origine, mais dirige l'une des plus grandes nations du monde aujourd'hui. Et il le fait avec compétence et avec brillance et la grande satisfaction. Je crois, sans vouloir minimiser le débat constitutionnel des nationalités, je ne voudrais pas qu'il y ait un candidat à président qui postule et qui devienne président en violation de la Constitution. Mais ce que nous devons savoir, dans le fond, que vous soyez président d'origine ou des pères et de mères congolaises, que vous soyez candidat ou président des pères congolais ou des mères non congolaises, ce dont les Congolais cherchent, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie. N'oublions pas que ce pays, vers les années 60, lorsqu'il accédait à l'indépendance, c'était l'une des meilleures économies au monde, du moins en Afrique. Mais elle était dirigée par des Belges. Mais aujourd'hui, 62 ans après, ce pays dirigé par des Congolais, des pères ou des mères, mais quel est le niveau? Vous voulez qu'on revienne au format belge? Non, je ne le dis pas. Je suis en train de vous donner la profondeur du débat. La pertinence du débat, que vous soyez Congolais de père et de mère, que vous soyez Congolais de père congolais ou de mère étrangère ou vice-versa, ce dont les Congolais ont besoin, c'est que vous puissiez remplir la mission constitutionnelle d'un président de la République. Est-ce que nous sommes matures? C'est d'améliorer les conditions de vie des Congolais, d'apporter le bonheur aux Congolais. Voilà! Et quand on ne l'a pas fait, évidemment, on se rabat sur des débats qui ne sont pas, en tout cas, des portées et patriotiques, des portées souveraines. Est-ce que nous sommes matures aujourd'hui d'avoir un président avec une nationalité, entre parenthèses, douteuse, comme le disent d'autres bouches? Vous aviez donné l'exemple des États-Unis, l'exemple de la Grande-Bretagne, ce sont des vieilles démocraties. Comparativement à la RDC, nous sommes au 4e cycle électoral, nous sommes encore des bébés sur le plan démocratique. Écoutez, c'est un problème de leadership. Laissez-moi vous dire en toute sincérité. C'est un problème de leadership. Un problème d'élévation spirituelle et intellectuelle. Qu'allez-vous dire, Jean-David Kilolo, de la République sud-africaine? Quelle est la vieillesse des démocraties sud-africaines? Lorsque le président Mandela, c'est là où j'insiste, sur la sagesse, sur la qualité de leadership de la gouvernance. Lorsque le président Mandela sort de la prison, il passe 27 ans en prison. Il a été maltraité par des Blancs. Et lorsqu'il sort de la prison de Robben Island, il y a plusieurs Occidentaux qui ont fui pour dire « Mais ce monsieur va certainement nous déclarer le fatwa. » Cet homme a dit que j'ai milité non seulement pour l'égalité des races
en faveur des Noirs, mais aussi pour l'égalité des races en faveur des Blancs. Mais quelle vieillesse des démocraties parlez-vous à ce moment-là? C'est plutôt la sagesse, c'est plutôt le leadership, la qualité de leadership. Et rappelez-vous que le même Mandela a exigé à ce que le vice-président soit M. de Klerk, le même qui était aux manœuvres lorsqu'il fallait qu'il soit en prison. Et voilà ce qui a sauvé l'unité de la République sud-africaine. La sagesse, la qualité de leadership. Il n'est pas question de parler de vieillesse dans la démocratie, non. C'est un problème de la qualité de leadership et de gouvernance. Monsieur Matata Ponyo, venons-en maintenant à l'actualité. La CENI est en train de publier les résultats partiels de la présidentielle. D'abord, on vous avait vu revendiquer la victoire, tout confiant. Et quelques heures plus tard, vous avez demandé l'annulation des élections. Qu'est-ce qu'on doit comprendre avec ce changement de langage? Bon, écoutez, nous étions, nous, très confiants parce que la campagne électorale est aussi un indicateur clé pour savoir qui sera président ou pas. C'est pour ça qu'on fait des sondages. Et généralement, les sondages constituent presque le pré-résultat. Lorsque nous avons fait la campagne électorale, la population s'est exprimée. Et il était évident que le candidat de l'opposition, M. Moïse Katumbi-Chapwe, avait toutes les chances d'être élu président de la République. Et les sondages, le plus crédible, lui donnaient même 68%. Et le premier jour d'élection, le premier jour de vote, nous avons remarqué qu'effectivement, la population s'est exprimée massivement et largement au profit des candidats de l'opposition. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Nous avons réalisé qu'il y avait des manœuvres louches, et vous le savez, qui étaient constituées notamment par des machines à voter, qui ont été distribués massivement au profit des acteurs politiques de l'Union sacrée. Vous le savez aussi, il y a eu des manœuvres de bourrage des urnes. Vous le savez aussi, il y a eu des manœuvres qui ont permis de configurer les machines au profit des candidats au pouvoir. Mmh. Un de mes agents m'a dit: il est allé voter, il a appuyé sur le chiffre 3, c'est plutôt le numéro 20 qui est à Paris. Numéro 20. Et numéro 20. Alors, ce que vous êtes en train de dire ressemble à peu près à ce que nous avons suivi aussi dans une autre émission chez Jean-Pierre KMB. Je préfère qu'on suive avec vous cet extrait et on revient commenter juste après. Tangio ba photo ezola kisayo yo mbika yo kena watake nga justice ke na sai nini bato bazoro ba ke pa bazoro ba pe bazoro la kisa biloko boibi miibi miibi boko ba ke volo ka nga de pou sur la tête là à partir à lundi no kata souki ango to ta la pou ango so bo so ay si nini mais voilà toujours avec un peu de d'humour un brin d'humour comme vous l'avez fait si bien liste to ko bana souka liste c'est ça tena sai liste wana na tota la télévision. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je suis Pepito, Batangi, Bengama, Batangi, École Nakutu, preuve à la prise. Je suis un homme qui a été extrait central. Je suis un homme image, document. Je suis un 081-990-755. 04, donc, 0812, 081, 990, 75, 55. Tokéi, Bengama, école Francis, école Bengama. Tokéi, M. Kalonji, Mbao, les Kinangaï, comme quoi, c'est un commandant, on a, au moins, des bleus, on a, au moins, tu es souillé, tu es, au moins, une autre, et comme il pourri, na, na solo na lokutanga na ebite na yo na ngai tomoni lutangi ja mbikaye singi charmant ngai za probleme ya position na yo en tant que député député candidat na kati ya école na yo moko avec ton directeur on a son nom monsieur Sogina Ntozanango le CENI Pazanango
Lukula si Jean-Marie, elle est qui n'a gagné, au bois qu'elle en a ta sincèreté. Après, ça n'est pas ta machine à voter, mon con. Il y a pas mon angaï, hein, au protégé naï. Nami, ça, toi, va pas si, yo, quand même, mon vieux, il y a vos enfants, attention, il faut t'y stabilisateur, machine à bateau, et gamata, et bien, José Noël Cheke. Badi Bangasami. Le sénateur, je suis très ami avec son frère. Mais toujours salam salam. Et bien d'autres, ce n'est pas à moi à établir une liste, moi, Natangio. Elle est non exhaustive, selon. Donc, bah, parce que ma vidéo est encore tant les belles, mais le fait que vidéo est tant ne signifie pas forcément que Moto Nazali coupable. Ah non! Voilà, vous avez suivi. Mais vous aussi, sur votre compte Twitter, vous aviez aussi parlé du gouverneur de la province de Maniema qui détiendrait aussi une machine à voter. Bon, écoutez, comme vous l'avez suivi, la disponibilité des machines à voter ou des machines à tricher, c'est devenu une monnaie courante. Et tout le monde le sait. Et c'est vraiment dommage, mes chers amis, parce que nous avons, nous, ici, en République démocratique du Congo, tendance à banaliser des choses aussi graves lorsque une élection au profit de près de 100 millions d'habitants se réalise et que les machines à voter se retrouvent dans la rue, c'est quand même dramatique. Nous ne pouvons pas banaliser des choses aussi graves. C'est un peu l'image d'un professeur d'université qui administre un questionnaire dans une salle de classe de 500 personnes, de 500 étudiants, et il n'y a que 300 étudiants dans la salle, et 200 sont en train de passer l'examen dans la cour avec un questionnaire qui a circulé un mois avant ou plusieurs semaines avant. Et à la fin de l'examen, le professeur récolte les copies à la fois se trouvant dans la salle des classes et se trouvant en dehors de la classe pour ceux qui ont disposé des questionnaires plusieurs semaines avant. Dites-moi, monsieur le journaliste, si cet examen-là n'est pas annulé, qui va prendre au sérieux ce professeur d'université ? Un examen pour lequel le questionnaire a circulé en dehors de la salle et pendant plusieurs semaines. Si le professeur n'annule pas cet examen, est-ce qu'il sera pris au sérieux? Et si le recteur n'annule pas l'examen du professeur, est-ce que le recteur sera pris au sérieux? Dans le cas du Congo, juste pour préciser, qui est professeur, qui est recteur Mais écoutez, dans le cas d'espèce, le professeur, c'est le président de la CENI. Et donc, vous voulez sa démission. Mais écoutez, et même votre coalition appelle à ce qu'il démissionne. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de cautionner le dialogue. Vous voulez qu'il y ait dialogue. Aujourd'hui, si Kadima parvenait à démissionner, le président va rester en fonction. Le temps pour organiser les élections, ça peut prendre 4 ans, 5 ans. Et puis, comment vous pouvez gagner des élections et réclamer son annulation? Bon, écoutez, nous n'avons pas dit que nous avons gagné les élections. Nous avons dit que la première tendance, les jours du vote, lorsque la fraude massive n'avait pas encore occupé l'espace, écoutez, les candidats, Moïse Katumbi Tshapwe, étaient sortis gagnants. La première tendance, nous avons des statistiques. Mais lorsque la fraude s'est insérée avec toutes ces machines à tricher, ainsi de suite, et nous avons vu que, bon, écoutez, l'élection n'était plus une élection, mais c'était un simulacre, c'était presque un théâtre de chez nous. Écoutez, quel est l'objectif d'une élection? L'élection a pour objectif de pouvoir choisir des hommes et des femmes représentants du peuple. Le mot politique tire son origine du mot grec politis. Politis voulant dire être au service du peuple, être le représentant du peuple. Lorsque une élection comme celle que nous sommes en train de vivre, une pseudo-élection,
un théâtre. Au lieu de produire des hommes et des femmes, vous produisez des crocodiles, vous produisez des léopards, qui sont même de nature à pouvoir agresser la population. Comment est-ce qu'on peut accepter? Personne ne peut accepter ce type de films dramatiques. Je pense qu'à mon avis, comme j'ai donné l'exemple du professeur ici, dont le questionnaire a circulé, il est tout à fait normal que ces élections soient annulées. Parce que c'est dont la population. N'oubliez pas que le 1 milliard 100 millions de dollars, ce n'est pas le fonds appartenant à la CENI. Ce ne sont pas des fonds appartenant à Denis Kadima. Et encore moins aux membres du gouvernement. Ce sont beaucoup. Des fonds qui appartiennent à la population congolaise. Parce que ce sont les impôts, ce sont les taxes, ce sont les droits d'importation. Les ressources de l'État proviennent principalement de la DGI qui prélève les taxes sur les Congolais. Proviennent principalement de la DGDA, qui, les Congolais qui, lorsqu'ils importent ou ils exportent, payent les droits d'entrée ou les droits de sortie, ou encore de la DGA. Donc ce sont les fonds des Congolais. Et les Congolais n'ont pas donné 1 milliard 100 millions pour avoir des crocodiles, pour avoir des léopards ou des lions, mais pour avoir des hommes et des femmes qui les représentent. Et dans les cas d'espèce, nous n'avons pas une élection qui a produit des hommes et des femmes que les Congolais cherchaient. Monsieur Matata Pone, ne donnez-vous quand même pas raison à ceux qui disent que voilà, vous êtes plus préparé à la contestation qu'aux élections. Parce que plusieurs mois à l'avance, hein, on vous a vu avec les quatre leaders de l'opposition pointer du doigt la CENI. La CENI félicité quand on a validé la candidature de Katumbi. Là, c'était bon. Côté CENI, vous avez applaudi. Même votre candidature aussi, parce que vous avez applaudi, beaucoup de gens avaient quand même des doutes. Oui. Vous avez applaudi. Là, à ce niveau, la CENI était correcte. Aujourd'hui, la CENI publie à peine quelques circonscriptions, c'est même pas encore la moitié. Vous criez à la tricherie. Bon, Christopher, j'ai l'impression que vous avez des trous de mémoire. Parce que l'opposition n'a jamais félicité la CENI pour un processus électoral. Pas pour le processus électoral, oui. Pour la validation de la candidature de Moïse Katumbi. De vos candidatures. Mais vous le savez pourquoi? Parce que vous le savez très bien que le pouvoir était décidé d'éliminer la candidature de M. Matata et de Moïse Katumbi. C'est un secret des polichinelles. Nous sommes les deux seuls candidats qui avons été l'objet des processus ou des mécanismes d'exclusion. Moïse Katumbi pour question de sa nationalité et M. Matata pour question d'un procès bidon sur les dossiers Bukangalonzo. Vous le savez très bien parce que vous êtes quand même dans ce pays. Et donc, il était tout à fait normal que la population fasse un ouf de soulagement, parce qu'en fait, en effet, tout le monde savait qu'on voulait bien que Matata ne soit pas candidat président, on voulait bien que Moïse Katumbi ne soit pas candidat président. Et vous ne le dites pas, aujourd'hui, on annule les élections, oui. On fait quoi? Mais écoutez, il faut d'abord que cette CENI soit dissoute. Vous savez très bien que cette CENI a été constituée en violation de la Constitution, tout le monde le sait. Si vous êtes un journaliste professionnel, vous savez que cette CENI n'a pas été constitué conformément. Mais cela ne vous a pas empêché de vous présenter là-bas pour déposer votre candidature. Mais nous avons déposé la candidature, justement, mais tout en disant que la CENI fonctionne à marge de la loi. Nous l'avons dit. Et laissez-moi vous dire que les jours qu'il y a eu concertation entre la CENI et les candidats présidents, la même question a été posée au président de la CENI. La CENI est-elle capable de pouvoir organiser les élections dans les délais? Le président Asséni a dit oui. Mais aujourd'hui, est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, nous parlons avec vous, les gens sont encore en train de voter? Mais c'est anticonstitutionnel. Les élections se réalisent en une journée. Alors vous ne voyez pas... Mais une élection qui se réalise pendant une semaine, ce n'est plus une élection. Et vous pouvez vous imaginer, en termes d'image, un examen d'un cours à l'université qui se passe le lundi, les gens ont remis des copies et des réponses. Il y a d'autres qui font le même examen 4 jours après, alors que les réponses sont déjà connues. Est-ce que c'est un examen, ça? Est-ce que bon... Aujourd'hui, on est tenté de publier, M. Christopher, pour être concret, on est tenté de publier les résultats et les tendances. Mais pendant ce temps,
Il y a d'autres Congolais qui sont en train de voter, tout en sachant quelles sont les tendances qui se dégagent. Est-ce que ça, c'est encore une élection? Ce n'est pas une élection. Ça ressemble à un théâtre de chez nous. Mais là, annuler, c'est une aubaine pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ça sera une occasion pour lui de prolonger, de continuer. Et puis, ça sera un dialogue. Dialogue, une transition. Comme on disait à l'époque, voilà, 5 ans de transition. De la République élu. Et puis, encore organiser les élections. Il risque même de faire 15 ans au pouvoir. Non, mais non, il ne faut pas exagérer. Je pense que les élections viennent d'être organisées de manière tout à fait chaotique, comme le disent plusieurs journalistes. Vous savez, ces élections, il y a même un de vos confrères qui a qualifié du chaos du siècle de toutes les élections de la RDC. Et évidemment, le siècle a commencé en 2000 et on n'a jamais eu des élections comme celles qu'on a eues. C'est chaotique. Je ne pense pas qu'on puisse prendre beaucoup de temps parce qu'en principe, tous les systèmes, toute la logistique et tous les mécanismes ont été montés. J'imagine qu'on a déjà dépassé 1 milliard 100 millions. Vous dites que c'est trop. Oui. Si on recommence, c'est jeter l'argent par la fenêtre. Cet argent. Bon, écoutez, dans tous les cas, les 1 milliard 100 millions de dollars n'ont pas produit les résultats attendus. Faut-il que je le répète? Au lieu de produire des hommes et des femmes qui représentent le peuple, ces élections vont produire des caïmans, des crocodiles et des léopards. Et vous ne demandez pas le dialogue, ça? Ce n'est pas... Non, écoutez, c'est pas une manière de dialoguer, de dire... Nous ne demandons pas le dialogue. Vous n'avez pas vu un communiqué qui demande le dialogue. Nous avons dit que les élections soient reprises, que les élections soient annulées et qu'elles soient reprises. Et cela peut se faire dans le bureau quasi. Cela peut se faire... Évidemment. Mais évidemment, quelqu'un qui est allé pêcher des crocodiles, vous allez lui demander encore d'être à la manœuvre. Non, je ne pense pas. Et là, on rentre au niveau de l'Assemblée nationale, les confessions religieuses, on constitue un bureau de la CENI à zéro. Vous estimez toute cette opération en combien de temps Non, écoutez, ça, c'est ce qu'on appelle la cordonnerie. Ici, il est question de pouvoir sanctionner ceux qui ne méritent pas d'être aux fonctions qu'ils assument. Voilà. Prenons aussi les nouvelles quand même de Matata Ponyo au niveau de la députation nationale. Parce que c'est vrai que vous avez désisté en faveur de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle, mais vous êtes quand même resté candidat député national à la circonscription de Kindu. Kindu, enfin, effectivement. Quant à cette élection-là, vous êtes confiant à ce jour? Ça s'est bien passé? Vos témoins, ils vous ont rapporté quoi? Non, bah écoutez, tout le monde sait ce que je pèse dans la province du Maniema. On vous a même appelé docteur Dollar. Ben oui, bon, évidemment, on m'appelle le docteur du Dollar, tout simplement parce que la population se rappelle que quand j'étais Premier ministre et ministre des Finances, j'ai stabilisé de manière tout à fait exceptionnelle les taux d'échange du dollar par rapport, disons, du franc congolais par rapport au dollar américain. Et ça, je pense que les Congolais ne l'oublient pas. Et, partout nous sommes passés avec le candidat Moïse Katumbi Tshapwe. Moi-même, j'étais étonné parce qu'il y a des endroits où je n'ai jamais été, à l'intérieur du pays. Et, mais tout le monde s'est rappelé que j'étais le docteur du dollar américain. D'une part, la population décriait certains responsables quant à leur incapacité à pouvoir stabiliser les taux d'échange. Mais de l'autre, on s'est rappelé du docteur du dollar. J'étais surnommé comme ça, le docteur du dollar américain. Bon, qu'à cela ne tienne, ça c'est le point de vue de la population pour dire que la mémoire populaire, elle est parfois forte qu'on le croit. Vous savez que vous n'êtes pas le seul à revendiquer cet exploit. Il y a également le Premier ministre, Adolphe Mouzito, qui revendique le fait d'avoir stabilisé la monnaie en 100 ans. Bon, écoutez, on ne peut pas se battre sur cette question. Le Premier ministre Mouzito a d'abord été ministre du budget, alors que les dollars s'appréciaient toujours par rapport au franc congolais. Et par la suite, il a été nommé Premier ministre avant que je ne devienne, une année avant que je ne devienne ministre des Finances. Et les dollars continuaient toujours à s'apprécier par rapport au franc congolais. Et donc, si le dollar s'est stabilisé lors de mon mandat comme ministre des Finances, la logique voudrait que ce soit une
inaction menée plutôt auprès du ministre des Finances qu'à la primature. Et puis, je suis devenu Premier ministre, et vous savez, et le dollar est resté emblématiquement autour des 920, 924 francs congolais, les dollars. Et pendant plus de 5 ans, et la population congolaise n'a pas oublié cela. Vous savez, Monsieur Christopher, laissez-moi vous dire, si la population réclame la stabilité du dollar, tout simplement parce que le taux d'échange est un indicateur clé dans une économie. Lorsque le taux d'échange est stable, c'est que l'économie fonctionne comme il faut. Vous comprenez? C'est que le mécanisme de fonctionnement d'une économie n'accuse pas des imperfections ou des problèmes. Lorsque la monnaie se déprécie, le taux d'échange bouge, c'est qu'il y a des problèmes dans l'économie. Et les taux d'échange stables, c'est un peu comme les 36 degrés dans le corps humain. Lorsque le corps humain a une température de 36 degrés, ça veut dire que son fer est en forme. Vous comprenez? Lorsque la température monte, et c'est-à-dire que vous ne disposez pas de tout le potentiel pour exercer. Et les signes de la stabilité du taux d'échange, on l'a vu, ça a permis à la RDC de réaliser des performances socio-économiques. C'est la période où nous avons réalisé les taux de croissance moyens au cours de 5 ans, qui avoisinaient le 7%, qui était pratiquement les taux de croissance économique le plus élevé depuis 1960. Et laissez-moi vous dire qu'en 2014, le PNUD, qui est l'organe des Nations Unies, était étonné de voir que la République démocratique du Congo, pour la première fois, faisait le gap de 11 points dans le classement de l'indice de développement humain. C'est pour dire que la RDC venait de réaliser le progrès socio-économique et du point de vue de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Voyez-vous? Et donc ça, c'est un élément clé. Si vous voyez la population parler du taux d'échange, réellement, elle sait de quoi elle parle. Mais est-ce que cette expérience, pour que vous puissiez faire bénéficier cela aux Congolais, vous devez absolument être président de la République, ministre des Finances ou Premier ministre? Est-ce que Matata Ponyo, aujourd'hui, est prêt à travailler avec, je ne sais pas, peut-être Félix Tshisekedi, ne serait-ce que conseiller, ou Samalou Kondé, ou Nicolas Kazadi, lui dire sa formule magique qui avait soulagé les Congolais en ce temps-là, pour l'amour du Congo? Vous êtes prêt à travailler avec... Bon, écoutez, cette question m'a été posée à Matadi. Un Matadien me voit, est très étonné de me voir à Matadi et m'appelle pour dire, Monsieur Matata, vous êtes le docteur du dollar. Le gouvernement actuel est incapable de stabiliser le franc congolais par rapport au dollar. Pouvez-vous accepter de travailler avec le président Tshisekedi? Curieux d'entendre votre réponse. Je lui ai dit, pour que vous puissiez travailler avec quelqu'un, faut-il qu'il vous le demande? Monsieur Christopher, je ne peux pas venir m'imposer chez vous pour dire, Monsieur Christopher, je dois travailler avec vous. Deuxièmement, pour que la demande soit acceptée, il faut qu'elle remplisse les conditions, n'est-ce pas? J'ai travaillé avec le président Joseph Kabila Kabange. Il a voulu qu'on stabilise les cadres macroéconomiques. Il m'a donné les atouts. Vous comprenez, Jean-David Kilolo? Il m'a donné l'espace et les conditions pour faire ce travail. Stabiliser les cadres macroéconomiques n'est pas une chose facile. Ce n'est pas parce qu'on a un doctorat en économie, ce n'est pas parce qu'on a été au Fonds monétaire, on a été à la Banque mondiale. C'était un travail de titan. C'était un travail de maîtrise de la complexité, de la gestion économique. Je vous parle du taux d'échange qui est en fait le reflet du fonctionnement, la complexité d'une économie. De la même façon que la température 36 degrés reflète l'harmonie de la complexité du corps humain. Et donc, pour répondre à votre question, en un mot, j'adore ce pays, j'aime ce pays. Voilà pourquoi je suis rentré. Voilà pourquoi j'ai accepté d'être torturé, d'être harcelé pendant 2 ans et demi. Pour avoir bien géré l'économie, pour n'avoir pas détourné 1 dollar, alors que ceux qui détournent des millions de dollars, sur qui ils ne sont même pas interrogés. Mais il faut que les conditions soient réalisées pour travailler au profit de ce pays. Un pays merveilleux, un pays qui a tout eu, mais qui souffre d'un déficit chronique de leadership et de gouvernance. Voilà, maintenant aujourd'hui, il y a déjà l'écart, il y a
le score du président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ceux qui ont participé au processus électoral? Les conseils que je peux donner, d'abord à la CENI, c'est que ces élections doivent être annulées. Elles sont qualifiées de chaotiques, non pas par moi, mais par des spécialistes en la matière. Certains de vos collègues journalistes, vous l'avez certainement entendu, parlent des élections chaotiques. Quelque chose de chaos ne peut pas produire quelque chose de bien. L'image que j'ai donnée, c'est qu'au lieu de produire les hommes, ces élections sont en train de produire des caïmans, des crocodiles, ainsi que des léopards. Première recommandation. Deuxième recommandation, je pense que le gouvernement n'a pas besoin de pouvoir entériner ce type de processus qui fait la honte de l'ensemble du pays. Y compris de vous-même, parce que vous êtes des Congolais, comme moi. Et ces élections sont congolaises. Elles sont qualifiées de chaotiques, elles sont qualifiées de honteuses. Je ne pense pas que le gouvernement a un intérêt de pouvoir entériner ce type d'élections. À la population congolaise, je crois qu'elle a droit de revendiquer, conformément à l'article 64 de la Constitution, qui donne le pouvoir aux Congolais de pouvoir réclamer ce droit. Et je crois que ces élections, comme tout le monde le sait, ne répondent pas aux exigences constitutionnelles. Et donc, il faut que la population congolaise réclame ce droit. Le droit des Congolais, c'est d'avoir des dirigeants qui les représentent. Et les dirigeants qui les représentent, c'est les dirigeants qui ont été élus par le peuple. Les dirigeants qui ont été choisis par le peuple. Aux autres, la société civile, les églises, nous recommandons aussi à toutes ces institutions, à toutes ces entités, à toutes ces corporations, de veiller à ce que la honte ne soit pas bue, à ce que le déshonneur ne puisse pas être officialisé, que nous puissions nous rattraper pour dire tout au moins ça a été chaotique, mais ça n'a pas été confirmé. Et à toutes les institutions républicaines, parce qu'aujourd'hui, Monsieur Christopher, tout le monde sait que les machines ont circulé. Mais on n'a pas encore vu l'intervention de la justice pour au moins se saisir des dossiers. Les machines à voter pilule dans la rue. Mais on n'a pas encore vu l'implication de la justice. Donc, en résumé, je demande à ce que toutes les institutions, à leur niveau respectifs, qu'elles interviennent pour que ce type de théâtre chaotique puisse être, à mon avis, évacué et que l'État retrouve son honneur et sa dignité. Et la population ne va pas nous pardonner si on ne pose pas cette petite question, peut-être pour terminer. On dit que vous aviez contacté un cabinet russe pour tripatouiller les résultats. Heureusement que vous êtes là. Mais comment est-ce qu'on peut contacter un cabinet russe pour tripatouiller les résultats alors que les résultats sont tripatouillés à l'intérieur? Donc c'est faux? Je vous pose la question. Les résultats sont tripatouillés à l'intérieur. Quand vous appuyez sur le candidat numéro 3, c'est notre numéro qui apparaît. Ça, c'est le cabinet russe. Quand vous trouvez les machines à voter dans les maisons des candidats de l'Union sacrée, ça c'est la Russie. Quand on fait le bourrage des urnes, ça c'est la Russie. Non. Je pense que nous devons cesser ce type de théâtre. Aujourd'hui, le peuple congolais a honte de voir son élection être qualifiée d'élection la plus chaotique. Ça fait la honte d'être congolais face à ce type de qualificatif d'élection. Je crois que nous devons nous ressaisir. Il n'est pas tard
pour nous ressaisir. Il est encore temps, parce que si ce processus est entériné, ce serait la honte pour plusieurs années. Monsieur Matata Ponyo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Jean-David, merci avec qui on a co-présenté cette émission. Merci à vous qui l'avez suivi. C'était un entretien exclusif Télé 50 avec Matata Ponyo, candidat président de la République, rallié au candidat président de la République Moïse Katumbi à l'élection du 20 décembre 2023.